Bon, fait qu'on va débuter la GA. Fait que bienvenue à tous. Merci d'être présents. C'est une soirée, disons, plus formelle que nos fameux 5 à 7 que maintenant on fait. Mais c'est une soirée qui est quand même très importante pour la PH, puis pour l'équipe aussi, parce que c'est une façon de clore l'année, même si on est en septembre. D'habitude, on fait ça en juin. Écoute, à cause de la pandémie, on n'avait pas les états financiers à temps. Bon, pénurie de main-d'œuvre, probablement. Fait que c'est la raison pour laquelle on fait ça en septembre, ce qui est un peu, je trouve, plate, du sens que la nouvelle année qu'on est en train de faire est déjà pratiquement terminée, puis il faut clore l'année qu'on vient de faire. Fait que ça va être un peu une logistique de se ramener dans le temps. Fait que là, on parle de l'année, dans le fond, 2021-2022. Donc, du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. Fait que c'est ça. Fait que c'est une logistique aussi pour nous. Fait que merci vraiment d'être là. C'est vraiment important pour nous aussi. Puis aussi au niveau démocratique, parce qu'on a quand même des élections ce soir pour le conseil d'administration. On va en parler tantôt. Puis ça, ben c'est le conseil d'administration, c'est eux qui décident, hein? C'est nos boss finalement. T'sais. C'est des bénévoles, mais c'est nos boss. Fait que c'est quand même une assemblée qui est importante aujourd'hui. Fait que mon mot de bienvenue, fait que vous avez, pour ceux que c'est la première fois qu'ils sont là, vous avez le carton, ceux qui sont là en présence pour la première fois, je pense, Geneviève, t'as jamais eu les cartons à lever. Fait que ça va être la première fois que tu vas lever les cartons. Fait que vous avez des cartons rouges et verts devant vous. Il y en a qui n'en ont pas. Pourquoi? C'est que parce que vous n'êtes pas membre. Fait que vous n'avez pas le droit de voter. Oui, sauf exception. Et dans le fond, selon nos règlements généraux, hein, on commence à être bon, là. Ça fait une couple d'années. Ça fait 4 ans que là, on le sait. Et dans le fond, les membres associés, dont Nicole, merci d'être là. Membre associé, donc Nicole a une famille d'accueil à la maison, donc à ce moment-là, elle est dans la catégorie membre associé, mais elle nous soutient quand même, on peut être membre. Mais les membres associés ne peuvent pas voter à la GA selon nos règlements généraux. C'est ça. Tu dis toujours ah ouais, mais à chaque année, je te le dis. Fait que c'est la raison pour laquelle que toute famille d'accueil qui voudrait nous soutenir, dans le fond, c'est ça. C'est dans la catégorie membres associés, dont, exemple, une organisation voudrait faire partie de l'organisme membres associés, bien, ils n'ont pas le droit de vote. Par contre, je vous invite, chers parents, tu sais, il y a quand même beaucoup de familles, vous pouvez y être membre, là. Dans le fond, de l'APH. Les familles ont le droit d'être membres, de soutenir aussi, surtout que vous venez à des 5 à 7, tu sais. Dans le fond, puis on a un peu plus de services. Vous pouvez adhérer à l'organisme en étant membre, puis là, vous recevez les papiers, etc., etc., puis vous adhérez, un peu encourager l'organisme, dans le fond. Monétairement, on s'entend, c'est juste 10 $, là, fait que c'est vraiment significatif comme coût, mais c'est plus d'encourager, dans le fond, puis de dire que vous croyez en nous, finalement, en notre association. Fait que je vous encourage. Il y en a de plus en plus des familles qui sont membres, mais on travaille là-dessus encore. Donc, c'était ça pour, finalement, c'est ça, vérification du quorum. Donc, selon nos règlements, le quorum est fixé à 20 % des membres. Donc, à ce moment, on a quand même 45 membres en règle. Donc, le quorum est établi à 9 membres présents. Fait qu'on est plus que 9 membres présents, là. Il y a plus que 9 petits cartons distribués. Puis, c'est vrai, les cartons, là, je l'ai vu souvent, j'ai pas dit finalement à quoi ça servait. C'est, dans le fond, vert pour vous êtes d'accord et rouge, vous n'êtes pas d'accord. Ouais, fait que dans le fond, tout au long de la GA, pour ceux que c'est les premières fois,
Ben, je vais dire, OK, est-ce que vous êtes d'accord? Fait que là, on lève le vert pour on est d'accord ou on lève le rouge si vous êtes en désaccord. Fait qu'à ce moment-là, c'est plus facile aussi pour la future secrétaire, puis c'est plus facile aussi pour vous plutôt que de dire oui, non. Ça fait que le rouge aussi va être apparent s'il y a quelque chose. Fait que gênez-vous pas si vous n'êtes pas d'accord, ça se peut. Ça sera juste pas adopté à l'unanimité ou à la majorité, puis etc. Par rapport à ça. Fait que vert, puis là, tu sais, il y en a des fois qui se trompent, là. C'est correct, là, mais essayez, là. Essayez d'être collaboratif avec nous autres. Fait que 9 membres présents, plus que ça, c'est sûr. Fait qu'on a quorum, on peut débuter la séance officiellement, là. Fait que, ouais, c'est ça. Donc, point 3, nomination d'une secrétaire ou d'un président d'assemblée. À ce moment-là, c'est vous qui décidez qui veut être la présidence. La présidence anime la séance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait l'animer? Marc-Claude? Fait que Marc-Claude me propose pour animer la séance. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est d'accord avec ça? Michel, second. Puis là, c'est là le carton. Est-ce que tout le monde est d'accord à ce que je sois la présidente de l'Assemblée? Ça me dérange pas un rouge, mais celle qui lève le rouge, c'est elle qui va présider. Le rouge ou le vert? T'es-tu d'accord? Oui. Oui, OK. Le rouge, est-ce que tu veux pas? Non, il veut pas présider. Ça, c'est le vert. OK. Le vert. OK. Et ensuite de ça aussi, ça nous prend une secrétaire parce qu'on doit écrire des notes. Je vous dis ça de même. Il y a peut-être quelqu'un. À moins qu'il y ait quelqu'un d'autre qui ça y tente d'écrire des notes, on a un beau petit papier qu'il faut juste remplir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose quelqu'un pour écrire les notes, comme secrétaire? Joanie. Maude propose Joanie Gill comme secrétaire. Est-ce que quelqu'un appuie? Mathieu, il appuie. Est-ce que tout le monde est d'accord à ce que Joanie soit la secrétaire? Parfait. On a fait deux résolutions. Parfait. Fait qu'on déclare finalement l'ouverture de l'Assemblée à 18h22. Tu en allais dire que tu n'avais pas la même heure que moi, hein? Oui. Puis il est 6h22. On suit. Et donc, l'ordre du jour. Lecture et adoption de l'ordre du jour, le point 5. Fait que je vais en faire la lecture avec vous. Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 30 juin 2021. Point 7, présentation et adoption du rapport annuel d'activité 2021-2022. Point 8, présentation et adoption des états financiers 2021-2022. Point 9, nomination d'une vérificateur ou un vérificatrice externe. Présentation des prévisions budgétaires 2022-2023. Point 11, présentation d'un bilan financier intérimaire d'avril 2022 au 31 août 2022. Élection des administrateurs administratifs au conseil d'administration. Donc, on a la nomination de la présidence et la secrétariat. On a les mises en candidature et on détermine le nouveau conseil d'administration. On va avoir une séance de questions diverses. Mais moi, j'aime ça aussi, là, tu sais, vous pouvez participer tout au long, là, puis on le mettra dans le point, là, varia s'il y a quelque chose, mais vous pouvez toujours m'arrêter, là, il n'y a pas de problème. Et le point 14, la levée de l'Assemblée. Est-ce que ça vous convient comme hors du jour? Si oui, est-ce que quelqu'un propose et appuie? Fait que Geneviève? Et y a-tu quelqu'un d'autre qui appuie Geneviève par rapport à l'ordre du jour? Benoît, puis est-ce que tout le monde est d'accord pour l'ordre du jour? C'est bon. Donc,
Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 30 juin 2021. Je vous ramène à l'arrière. On dirait que ça fait super longtemps, comme je disais aux filles tantôt. Puis c'est vrai que ça fait super longtemps. C'est un peu la même procédure qu'on fait aujourd'hui. Donc, il y avait eu le mot de bienvenue, la vérification du quorum. À ce moment-là, on avait 33 membres en règle. Fait qu'on voit déjà une augmentation. Aujourd'hui, on a 10 membres de plus là, par rapport à l'année passée, à cette date-là, mettons, en juin. Donc, il y avait un total de 20 personnes qui étaient présentes, dont... t'étais pas là l'année passée, Nicole, finalement. Je m'excuse. Ouais. Fait que 7 non-membres, famille, employés, partenaires. On n'avait aucun membre associé et 13 membres réguliers qui étaient présents. Fait que le quorum a été respecté. Fait que l'Assemblée a pu commencer. Maude, t'avais proposé moi comme présidence et Joanie comme secrétaire. Ça avait été appuyé par Annie. Ben, l'ouverture de l'Assemblée à 18h37. On a fait la lecture de l'ordre du jour. Ce qui était particulier là, l'année passée, c'est qu'on a fait, dans le fond, deux AGA en un. Donc, on n'avait pas fait d'AGA à cause de la pandémie. Fait que là, je vous ai envoyé plein de papiers pour que vous en preniez connaissance, parce que sinon, ça aurait été long, l'AGA, de regarder le rapport d'activité, les états financiers, etc., fois deux. Donc, vous aviez reçu tous les documents de l'AGA avant, pour en faire la lecture. Ce que j'aime moins dans ce temps-là, c'est que, tu sais, on n'assure pas vraiment la compréhension de tout le monde à ce moment-là. On fait juste s'envoyer, puis tu sais, ensuite. Fait qu'on a revu quand même quelques points ensemble. Mais aujourd'hui, on va tous les voir. Mais sinon, ça n'avait aucun sens. Fait qu'on avait regardé le procès-verbal de 2019 ensemble. Donc, on avait, vous aviez consulté le rapport annuel 2019-2020, vous l'avez adopté. Ensuite de ça, il y a eu une présentation du rapport annuel d'activité 2020-2021, c'est dans la même séance. Là, à ce moment-là, les intervenantes, dans le fond, l'ont présenté, je me souviens plus d'une manière, là, mais d'une manière ludique. On a eu certains commentaires des membres, fait qu'on les, j'y ai ajoutés. Vous pouvez voir, là, je ne les lirai pas toutes, là. On a eu la proposition du plan d'action 2021-2022. On a une belle pause. Ensuite, les états financiers 2019-2020. Il avait tout été conforme, donc ça a été aussi proposé par Geneviève et appuyé par Christian qui était présent. On a vu aussi les états financiers 2020-2021 aussi par rapport à ça. On a nommé, pas vrai, on n'a pas nommé, dans le point de nomination d'une vérificateur et vérificatrice externe, vous aviez pris la décision de procéder à un appel de soumission pour le mandat de vérification pour l'année prochaine. Et dans le fond, parce que c'est ça, c'était cher, etc. Puis ça va être la même chose aujourd'hui, je vous le dis, c'est ça qu'on va proposer parce que, avec la pandémie, puis l'augmentation des prix, des fois, c'est. Ça peut être surprenant comment un audit comptable peut coûter cher. On a vu les budgets. On a procédé à une drôle d'élection parce que vu que, dans le fond, il n'y avait pas eu d'AGA, les sept personnes qui étaient aux membres étaient en élection. Les membres du conseil d'administration. Fait que c'est ça, c'était comme une année assez particulière, là. Fait qu'on a refait finalement complètement notre conseil d'administration. On a souligné l'implication de Luc Grenier parce que ça faisait 6 ans qu'il faisait partie du conseil d'administration. C'est un beau diplôme. Ouais. Tu t'en souviens, hein? Moi, je m'en souviens mal. Et on avait déterminé le nouveau conseil d'administration, donc Annick, Jenny, Geneviève, Maude, Alexandre et Karine. Et il restait un poste vacant. Quelques questions, commentaires à la fin là, de Christian et d'André. Et la levée de l'Assemblée à 20h42. Est-ce que vous vous souvenez, est-ce que c'était conforme à la soirée du 30 juin pour ceux qui étaient là? Oui, Geneviève, t'étais là, vraiment, oui, t'étais là.
Ben, ça prend des gens qui étaient là pour dire que c'était conforme, parce que faut être là pour l'avoir. Fait que Geneviève, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui était là qui peut dire que c'était conforme? Maude? Puis pour tous ceux qui étaient là, est-ce que ça a bien du sens? Puis vous levez le carton vert ou il y a des choses à corriger dans le procès verbal? C'est beau? Parfait. Fait qu'on serait rendu au point 7, présentation et adoption du rapport annuel d'activité 2021-2022. Fait que je vais inviter, dans le fond, les intervenantes à vous présenter le rapport d'activité. Ils vous ont préparé un petit quelque chose. Fait que... Puis en même temps, ça me donne un petit break. Est-ce que je dois faire quelque chose? Je fais quoi? Pour l'instant, rien. OK. Oui. On ne s'est pas tant consulté avant, excusez. Fait qu'on a décidé de faire un petit jeu ce soir pour vous faire participer. Fait que, est-ce que c'est toi ou moi au tableau? Okay. Puis là, si vous comprenez bien, tu sais, il y a 47 pages. Fait qu'on lira pas ensemble aujourd'hui 47 pages. Non. À moins que ça vous tente. Aujourd'hui, on va finir très tard. Mais j'ai quand même écrit 47 pages. C'est ça qu'il faut se dire. Fait qu'il y a beaucoup de choses en 47 pages qu'on a fait aussi beaucoup d'affaires. Fait qu'on va en présenter. Puis si elle vient dans le cas, vous voulez absolument tout le voir. On n'a pas fait d'impression non plus parce que ça n'avait aucun sens de faire une vingtaine d'impressions de 47 pages. Mais on peut vous l'envoyer ou si vraiment vous le voulez, on vous l'imprime et on vous le donne. C'est bon? Fait que let's go! Vous avez de la pression. Oui! Ça sera pas long. Le but du jeu, dans le fond, on catégorise nos activités qu'on fait dans plusieurs grands titres, si on pourrait dire. Puis on veut que vous deviniez c'est quoi les mots qu'on va écrire. Les sortes d'activités qu'on fait. Tellement. Okay, oui. Voilà. Fait que là, ça va être comme un... Non, mais là, t'as le droit de parler, c'est pas grave. Allez, t'as le droit de participer. Oui, c'est ça. C'est comme un jeu de bonhomme pendu. Vous devez trouver les lettres qui manquent. Fait qu'à la valeur même, ça veut dire chacune une lettre. Sinon, je peux nommer le monde aussi. Puis le mot aussi. Ouais. Parce que moi, je le sais. À page 21. Ouais. OK. Ouh! Mon Dieu, je m'en rends la réponse. Un L? Non. Ah, il n'y a pas de L là-dedans. Luc! Ah, il est déjà, sont déjà là. Ah, attends, il y a manqué ici. Ah non, c'est bon. Un I. Un I pour Louise. Yes! Yes! Yes, bravo! Non, je crois que j'ai mis un mot. Ah, ok. Fait qu'on a déjà R. Q. Q pour Edith. On peut serrer H. Vas-y, Marc-Claude. Art thérapeutique. Oui! Bravo! Fait quelques... idées pour l'art thérapeutique. On a fait cette année des visites virtuelles au musée, ateliers de tricot, macramé, peinture, décoration de Noël et de Pâques, grignotine pour les oiseaux, divers bricolages. Selon vous, derrière ces activités-là qu'on fait avec eux, quels sont les objectifs qu'on travaille? Bonne réponse, Maude. Oui. Et Geneviève? La concentration. Oui. Maude? L'éducatrice qui parle. Oui. C'est correct. Ben oui. Les parents, avez-vous des idées? Des habiletés. Oui. Non, hey, t'as pas besoin de carton, là. Oui. 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 Fait
qu'on travaille la motricité fine, la patience, la créativité, le bien-être avec l'estime de soi, la persévérance, parce que des fois, c'est pas tout le temps facile, puis hein, faut pousser fort en arrière d'eux pour qu'ils continuent puis qu'ils persévèrent. Développement cognitif, la découverte de nouveaux intérêts, on pourrait même dire parfois le travail d'équipe quand c'est plus difficile. Oui. Il y a plein de choses qu'on travaille. Oui. Là, c'est le prochain, puis tu le mets sur le plan. Ah, Dani! Pas tout de suite! Ok. Francis, nomme une lettre. Ok, Dani, arrête. Ok? Pas drôle. N'importe quelle. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Oh, B! B? Eric, non. Tu dis B. Il n'y a pas de B. Il n'y a pas de B. A. A? Oui. B. B, il te dit. Un P. Un P? Un P? Non. Maryse? U? U? U, oui. Y a-tu une main élevée ici, Annick? Atelier. C? C? Non. Ah. Alex? Atelier. Atelier? Ouais. Ok, S. Puis le mot en dessous? S. Yep. Donne-moi ça, là. Un I. Un Q? Un Q? Qui est en avant, bien ici? Oui, c'est ça, bonne idée. Ah, ok. Un H. Thérapeutique. Non, il n'y a pas rien. Ben, il y en a un là qui l'a dit comme il faut. Ouais, j'ai entendu. Un H. Qui a dit H? Ben, il l'a dit. Oui, fait qu'il manque une lettre. Un I. Oui, vas-y, Annick. Oui! Les objectifs. Ouais. Bon, dans nos ateliers thématiques, on en a eu 10, c'est l'an passé ou l'année d'avant, je ne me souviens plus. L'an passé. Atelier de Noël, atelier de Saint-Valentin, initiation au tricot, journée autochtone. Au tarot. Au tarot, ben oui. C'est quoi j'ai dit? Au tricot. Au tricot. Mais on a fait aussi des ateliers ouais. Tricot. Journée de filles et de gars, puis des activités d'horticulture. Quels sont les objectifs qu'on travaille derrière ces activités, même si elles sont plus ludiques? Ouais, à voix haute, à voix haute. Se concentrer. Se concentrer, oui. Oui. Ah. La création. Créativité. Oui. Création d'un réseau. Développer des connaissances. Développer des connaissances. Quand on est en groupe, on travaille quoi? Avec plein de monde. Oui, les habiletés sociales. Avec habileté sociale, la communication, la création de réseaux sociaux, le maintien et développement des acquis, le sentiment d'appartenance aussi beaucoup au travail du groupe. Ma chambre l'a caché! Hein? Là! Est-ce que vous l'avez toutes vu? Oui. Bon, mais vous n'avez pas le droit de dire des lettres. Il n'y a pas une ligne de. Bon, fait que ceux qui n'ont pas vu. Non. Tout est bon. Là, il est correct, là. Là. Le jeu, c'est pas de corriger les intervenants. C'est de deviner. Quoi, t'as dit, Mathieu? L. Un L? Non. Oh! Un C? Un C? Oui. Un S? Oui. Activité. Un G? Un T? Oh, activité, oui. Activité quoi? C'est activité quelque chose. Essaye pas! Est-ce qu'il y a un haut? Non. Mathieu, là. Ouais. On est rendu ici. H? Oui. Yes. Oh.
c'est un gros point. Y. Oui. Yes. Wow. Ouais. Oh. Fait que dans les activités physiques, on a sorti à la salle de conditionnement, marché dans la ville de Nicolet aux différents sentiers, de la vie active, des jeux extérieurs, méditation et yoga et de la pêche. Qu'est-ce qu'on travaille comme objectif derrière ça? Ben ça, toutes les activités. Hey, on a quand même 58 activités oui, ça fait vraiment populaire. Physiques. L'endurance. Oui. La patience. Oui. Le développement des saines habitudes de vie. Yeah. Wow! Tu veux pas travailler pour la PH? Là, je suis escale la vraie good job. Puis un enfer, puis l'école, puis une vie. Est-ce qu'il y a d'autres choses pour l'activité physique? Lui, c'est autre chose. C'est juste une glace à part, lui, là. Création d'un sentiment d'appartenance. Oui. Oui. La créativité, moi, je pense. Oui. Oui, ça peut rentrer. L'entraide. Aussi. Après, ça a été entraîné, là, Annick. Comment tu te sens? Ah, on se sent bien après. Ah. Ah. Des fois, Luc, t'as mal dans des muscles après ça quand tu t'entraînes. Fait que t'as-tu conscience que ton corps, des fois, il est un peu fatigué à des places? Ouais. Il y a des heures à des places. Des fois, il est fatigué. Oui. Le corps, il joue à des places. Il y a des des croches en un peu. Fait que les objectifs qu'on travaille, vous en avez nommé vraiment beaucoup. Coordination, orientation dans l'espace, conscience du corps, les saines habitudes de vie, la santé mentale, le bien-être, la flexibilité, l'équilibre pour éviter les chutes et la concentration. Hum? C'est à peu près tout. Oui, ouais. L'activité physique, là... On le sait, mais il faut le faire. On avait, ouais, on s'arrête dans cette habitude de vie, mais ça peut pas me dire améliorer le sommeil, mais. Dans cette habitude de vie, effectivement. Ça te parle, ça, Louise, l'amélioration du sommeil. Je comprends pas. Il n'a pas parlé encore. Oui. Atelier Lies. C'est nouveau. Oui, Annick. Non. B. Non plus. Qui a dit un N comme Nicole? Louise? Oui. Maude? C. Oui. Excusez-moi, on dit on est enthousiaste. Ah, vous chatez, là, vous avez dit quoi, là? Non. Oui, mais t'as le droit de dire à voix haute. Le mot de la tasse. Fait que dans nos ateliers culinaires, on a fait quand même 17. Des tartes aux fruits, boules d'énergie, diverses salades, pizza, carré aux pommes, tartinade, sauce à spaghetti, plateau de travail à la carotte joyeuse. Les objectifs derrière nos ateliers culinaires. Ouais, ça, c'est juste pour Mathieu, par exemple, goûter. Non, mais tu sais, découvrir des nouveaux goûts, là, découvrir des nouvelles recettes. Là, ouais. On rit parce que je sais pas pourquoi, comme un peu le sommeil de ton côté. Eux, c'est la nourriture, les aliments qui est difficile. Toi, Cassandra, hey! Qu'est-ce que tu fais?
Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres choses qui travaillent lors de nos ateliers culinaires? Oui. Une nouvelle recette. Oui. Les règles d'hygiène. Oui. Oui. De policher la spatule, puis après ça, la remettre dans... Oui. Tu peux baisser? Oui. J'ai le droit? Oui, t'as le droit. Donc, on travaille les saines habitudes de vie, découverte de nouveaux aliments, motricité fine, attitude culinaire, capacité à écouter et à comprendre les consignes. Ils sont des fois difficiles. Mm-hmm. Ça permet de travailler la mémoire de travail et l'alphabétisation. Quand on lit la recette, des fois, c'est eux qui prennent le temps de lire les ingrédients que ça me prend pour que moi, je les sorte au fur et à mesure. Fait que, tu sais, ça travaille beaucoup de choses. C'est niaiseux, mais demander de couper des carottes en dés, des fois, ça sort pas nécessairement en dés. Hein? Ça, c'est ça. Fait d'écouter les consignes. Ouais. C'est rond, carotte. Ouais. Mais des fois, ça sort comme en crudité, tu sais. C'est moins bon dans des affaires, là. Dans une sauce à spaghetti. Exactement. Genre, ouais, ouais. La grosse carotte. Fait qu'ils vont accueillir. Ah, c'est là ou là? Attends, ça c'est deux mots, hein? C'est super long à plus. Les deux sont vraiment longs, tu sais. Un A. Oui. Ok, you want. Il est juste avant le T. Avant le T. C'est bon. Diabétique. Pas du tout. C'est des types d'activités. On fait pas des activités diabétiques. I. I? Attends, on va aller avec le I avant. I. Là. Vous avez les dix aussi au tableau. Alphabétisation. Oui! Oui. Oui. C'est des mots qui. Ouais, c'est parce qu'il était ici. Oui, ben oui. Mais c'est pas... Mais c'est le bon. Un L? Oui, non. Pas de C. Il y a des lettres jumelles. Fait que là, maintenant, si vous le lisez, là, ça s'appelle l'I et a s. Ça prend deux lettres jumelles. Oui. Fait que les lettres, ils peuvent être ensemble. Il manque une lettre ici. Yes, oui. Sir! C'est un beau mot pour dire quoi, ça, la littératie? Ben oui, ça vient de là. Fait que la lecture et l'écriture aussi, c'est un ensemble, dans le fond, de... Fait que l'année passée, on a eu une activité financée par la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre du Québec. Initiation au livre audio, fabrication de signets avec des citations sur la lecture et distribution dans les bibliothèques. T'en souviens-tu, Maryse? Ouais. C'était le fun. Découverte et plaisir en chanson, jeu de devinettes et de société, puis plusieurs visites à la bibliothèque. Les objectifs cachés derrière ces activités sont... L'alphabétisation. Oui. Oui, bonne réponse. La mémoire. Oui. Oui, bien, prendre des décisions, de voir, de s'affirmer s'il aime ça, s'il n'aime pas ça. Ça développe la curiosité intellectuelle, la connaissance générale aussi. Annie? Découvrir. Oui. Découvrir des nouvelles choses. Mm-hmm. Ça réduit le stress aussi. Vous êtes bon. C'est sûr que ça dépend quel livre que tu vas lire. Mais... Fait que là, t'es vraiment plus beau, par exemple. Oui.
Je vais tasser. Ben, moi aussi, on dirait que j'en connais un. Oui, oui, on connaît toutes le même, je pense. Fait que pendant nos causeries, on s'entend que c'est un brin de jasette. On a discuté le minimalisme, la santé mentale, la sexualité. Ça, c'était une activité en collaboration avec des intervenantes du CIMUS. Moi et l'autre, c'était sur plusieurs soirs, me semble. Oui, tu fais l'antenne, là? Oui, c'est ça. On a parlé du compost et du recyclage, de l'amitié, de nos qualités, ben nous en parlant de chacun leur qualité à eux. Persévérance, pas juste les miennes. On a écouté le documentaire La révolution des éclopés. On a parlé du stress, de l'intimité, amitié et amour, puis de nos souvenirs. Les objectifs cachés derrière ces belles causeries. Le respect. Oui. Tout ce qui est habileté sociale, hein, finalement, mm-hmm. En groupe. Le maintien des acquis au niveau du langage. Oh, madame l'éducatrice. Sinon, c'est sûr qu'il y a différents thèmes, fait que j'imagine ouais. Qu'ils apprennent des affaires selon le thème en particulier. Là. Oui. Mais aussi de... faire des causeries, ça permet aussi, vu qu'on en faisait de soir autant que de jour, ça permettait aussi à ceux qui ne pouvaient pas être présents dans le jour de briser l'isolement le soir, de venir à plusieurs rencontres. Puis on parlait de sexe. Yes, en plus. T'es gênée au début, mais après, c'était pas mal fini. J'étais gênée. Franchement. Oui, c'était gênée. Ouais. Ah, c'est moi, ça, la photo. Moi, ça dépendait des soirs. Ouais. Il y avait des soirs, tu parlais plus. Ah oui, là, ça va être le temps de la clé USB. Oui. Tu sais comment je suis bonne, j'ai tout. Déjà ouvert. Ben oui. Cette année, l'année passée, on a eu une innovation. Le comité volet contribution à la communauté, qu'on est allé faire du bénévolat dans différents endroits. Comme à l'école à Saint-Zéphyrin, à la FADOC. Au centre d'action bénévole. Fait que, on a décidé de filmer cette semaine nos membres qu'on a croisés, qui ont fait du bénévolat avec nous pour voir comment eux vivaient ça de faire du bénévolat et ce que ça leur apportait. Puis, c'est ça, sauf que le son, là, moi, j'ai pas Bluetooth, là. Il a fallu prendre le portable à Cassandra. Fait qu'il va falloir écouter attentivement. On entend bien, moi, je trouve. Ouais, OK. Ben, ça part de là, dans le fond. Ouais. OK. Qu'on a essayé de les faire jaser un peu. Oh, c'est pas super évident, mais... Ouais, j'ai pas eu de la misère avec lui. Je l'ai pas... Ah, OK. On l'a pas su. OK, t'aimes ça faire du bénévolat, quoi? Pourquoi? Merci. Le travail d'équipe? Oui. Qu'est-ce que t'aimes d'autre? Est-ce que ça va être le monde, ça, faire du bénévolat? Oui. Ben oui. Ben oui. Ça, c'est cette semaine, hein? Oui, oui, c'est ça. Oui. Ça, c'était au centre de... Au comptoir alimentaire. Le bacon. Le bacon. C'est parfait. Oui. Fait que Marie, ce qui aime le bacon. Ah, c'est bon. Ça va?
travailler? Est-ce que tu aimes aider les autres? Est-ce que ça te rend fier? Oui? Ça fait-tu longtemps que tu en fais du bénévolat? Ça fait longtemps? Tu veux-tu qu'on continue encore d'en faire? Ça te dérange pas? Il a l'air comme torturé, genre. Une chance qu'Edith puis Régent, vous nous connaissez, parce que... Il a pas l'air sûr, lui. Bonjour, Mathieu. Bonjour. Je sais pas si t'as fait du bénévolat avec nous. On voulait savoir, là, pour la contribution à la communauté, le volet, notre nouveau volet, qu'est-ce que ça t'apporte de faire du bénévolat avec moi? Nous? Ça apporte... Il y a la tête du passé, là. OK, mais toi, dans le temps, moi, j'en ai fait longtemps. J'en fais longtemps. Ouais. OK, mais qu'est-ce que ça t'apporte, des sentiments spéciaux? Ouais. Ouais. OK, c'est quelque chose que tu veux continuer à faire pendant longtemps? Ouais. Oui. Fait que dans le fond, c'est une bonne chose qu'on ait fait ce programme-là. Ouais. Ben, merci. Passe au suivant. Mathieu, pardon. Tu as refait le ménage chez nous comme bénévole. Ah, ben oui, c'est Cass qui l'a passé, c'est pas moi. C'est moi. On écoute. C'est moi, ça. Ok. Il était à la carotte joyeuse. Fait que carottes, il y en avait partout. Fait que... Ils sont bien. Ça, c'est Yuri. Oui. Oui. C'est unanime, les gens aiment ça. Faire du bénévolat au sein de plusieurs organisations. Mm-hmm. Mm-hmm. Tu voulais-tu parler un peu? Il me semble que c'est juste moi qui ai parlé tout en chaud. Tu peux continuer? Fait que là, vous êtes rendu où? Après ça. Moi, je voulais parler du deck hockey après. T'as-tu le numéro de. Oh, ici. C'était-tu notre deuxième année? Non, c'était notre première année. Je ne sais plus. C'est la première, parce que cette année, c'est votre deuxième. Quand on joue au deck? Oui, c'est la deuxième. Bon. C'est mélangeant, hein? Ouais. Au total, on a eu 24 séances d'entraînement, quand même beaucoup. Mais c'est la première année qu'on joue. On a une équipe, là. Que les guerriers de la PH existent. Mm-hmm. Oui, parce qu'on a eu nos chandails à ce moment-là. Ouais. Okay. Fait qu'à tous les mercredis, de 3h à 6h, on allait à la surface de deck hockey jusqu'à au moins octobre. Il faisait froid. Par la suite, on a décidé de louer le gymnase de l'école Curie-Brassard pour maintenir nos pratiques parce que cette année, on allait faire pour la première fois notre tournoi de deck hockey à... Drummondville pour c'est l'ARLPHCQ qui organisait ça. Je te corrigerai pas, mais c'est l'autre année, mais c'est pas grave. C'est l'autre année? C'est en avril, début avril. Ah ouais, mais c'est ça. Fait que mais c'est on s'est pratiqué pour c'est pour ça qu'on a loué le gymnase pour pratiquer. Fait qu'on n'a pas eu vraiment de pause avant notre tournoi au mois d'avril. Sinon. On a eu des rencontres avec Jason Damo, qui est responsable du programme Bonheur en boule. Fait qu'il est venu une couple de fois nous voir à la PH, puis aussi sa surface, là, montrer des trucs. Fait que nos membres ont travaillé fort tout au long de l'année.
Il y a aussi un soutien financier de la part de la MRC de Nicolet Gamaska quand même qui nous a offert un montant d'argent pour acheter les uniformes officiels de décaquer là, que les joueurs ont reçus, qui sont super beaux, on va se le dire. Oui. Fait que c'est vraiment eux qui ont payé en totalité là, les uniformes. Là. C'est pas, nous, on n'aurait pas été en mesure de payer ces uniformes-là. Fait que c'est la raison aussi pourquoi ils sont prêtés. Fait que si quelqu'un décide de désengager de l'équipe, il faut qu'il nous redonne l'uniforme. Et tout l'équipement aussi, parce qu'on avait fait une virée aussi à Québec pour aller chercher l'équipement usagé Axel Loisir. Oui. Oui. Et on a fait aussi des demandes auprès de la QLPH pour acheter du stock neuf, un peu comme que les joueurs aussi ont là, pour jouer au deck hockey. Fait qu'ils sont équipés de la tête aux pieds, là, avec du stock, des beaux bâtons là, de joueurs professionnels, finalement. On a eu le match amical aussi. C'était pas le tournoi, c'était le match amical. Non, mais toutes les pratiques, c'était pour le tournoi, mais... On a eu le match amical avec des membres de la communauté qui sont venus jouer avec nos membres une vraie partie. On avait la présence de Télécoeur aussi, qui faisait en sorte que c'était difficile d'aller dans certains coins de la surface. Parce que j'étais sur la surface en train de jaser. Oui, ça a été télévisé. Hein? Oui, ça a été télévisé, ça a été une grande réussite. Tout le monde a adoré ça. On a vraiment eu beaucoup de membres, pas juste des membres, mais des gens présents. Oui. Mm-hmm. Puis des commentaires positifs aussi suite à l'événement. Ouais. Des parents qui encourageaient beaucoup. Fait que ça a été une belle réussite que nos membres aimeraient bien qu'on recommence éventuellement. Bon, là, c'est à ton tour. Moi? Ah ben, moi, je voulais parler des activités d'autofinancement. OK. Quelle page? 35. Si. Ouais. Fait que durant l'année, on a fait beaucoup d'activités d'autofinancement. On est allé plusieurs fois au marché à B5. Dans le fond, c'est lui-même qui est venu nous parler de ça, c'est ça? Oui. Oui, c'est un monsieur, dans le fond, de B5 qui est venu nous voir, puis je m'en fais plus de parc. Qui a vu qu'on faisait des affaires, mais il m'avait appelé pour savoir si on était intéressé à venir vendre nos produits. Fait qu'on est allé là quand même plusieurs fois. Fait que c'est ça, nos membres, on a fait plusieurs activités pour faire les créations des produits. On a été aussi, on avait une table au Power à Odanak. Il y avait le tournoi des Bad Raccoons qui a été organisé par Jean-Pierre. Oui. Et des bénévoles à ce moment-là, qui est Benoît, parce qu'il ne faisait pas partie du conseil encore. On l'a recruté. On a aussi participé au marché de Noël au musée des Abénaquis. Puis ça se peut qu'on y retourne encore cette année, vu que là, le COVID n'est plus vraiment là. Lui, c'est ouvert maintenant. Fait que, on a aussi fait une vente de Noël sur la page Facebook. Puis la vente des chandails de la PH de l'association. Moi, page 29. T'as pas besoin de la montrer, il n'y a pas vraiment de photo. On a, à cause de la COVID, nos petits locaux, on n'avait pas la possibilité d'avoir autant de personnes, membres, qui pouvaient participer à nos activités. On a décidé d'aller faire des activités dans les ressources intermédiaires. Ça fait au moins un an qu'on fait ça. Et plus, là. Ouais. Ouais. On va dans les familles d'accueil ou... comment ça s'appelle l'autre? Très apprécié. Oui. On va faire des activités au moins une fois par mois là-bas. Ça leur permet de pouvoir participer à nos activités sans être obligé. Il y en a certains qui sont en fauteuil roulant, que c'est plus difficile là, pour le déplacement et tout. Fait que je me déplace, moi, avec tout mon matériel, puis je m'en vais les voir, puis animer des activités. Ça donne un petit répit en même temps. on voulait parler aussi du service en déficience physique. On travaille fort pour développer ce service-là. On a collaboré avec la ville de Nicolet cette année pour plusieurs... l'année passée. Pour vérifier l'accessibilité de plusieurs endroits dont les passerelles à Nicolet, pour être sûr que les personnes en fauteuil roulant pouvaient y accéder facilement.
J'ai fait aussi de la sensibilisation dans certains stationnements pour vérifier si c'était vraiment des personnes en situation de handicap qui prenaient le stationnement, ce qui n'était pas tant le cas. Mais bon, il y en avait même qui prenaient la vignette de leur conjointe pour se stationner là. Puis il y en a qui ont manqué de respect aussi. Oui, oui. Puis, tu sais, elle distribuait comme la petite feuille là, qui est écrite « Si tu prends mon stationnement, tu vas prendre aussi mon handicap. » Puis, il y a encore des gens qui manquaient de respect face à ça, puis ils se mettaient là quand même. Fait ouais. qu'il nous reste encore vraiment beaucoup de travail à faire ce côté-là, ouais. mais on travaille fort, puis on va continuer à persévérer. Oui. C'est tellement agréable de voir ces oui. sensibilisations-là ouais. quand que les gens sont pas réceptifs, c'est à notre message. On a aussi eu plusieurs rencontres à domicile, plus de 30 rencontres. Parfois, c'est pour faire des références, pour les aider dans leur papier d'impôt, pour avoir toutes les subventions dont ils ont besoin. Puis parfois, ça peut être aussi tout simplement de briser l'isolement et de les écouter parce que leur famille est toute éloignée, ils sont handicapés, ils peuvent pas faire tout seuls. Fait que parfois, juste de prendre une heure de notre temps pour aller l'écouter jaser puis de discuter avec lui ou elle, ça fait tout un changement dans leur vie. C'est ça. C'est beau. C'est pas mal ça. Merci, fille. Non, j'ai chaud. Tu peux te rasseoir. Non, même pas. Non, ouais. on se rasseoit pas, nous. Oui. Ouais. Fait que c'était ça pour le rapport d'activité. Est-ce que ça vous convient? Est-ce qu'il y a des questions, commentaires, insultes? On prend tout. C'est ça. Est-ce que vous avez des choses à dire par rapport au rapport d'activité? Ah, merci. Merci, cher président. C'est bon, fait que à ce moment-là, ça va me prendre quelqu'un pour proposer. Fait que Geneviève, ouais, j'aurais pu le faire, là. Du calme, c'est pas grave. On a juste, je l'ai pas mis par exemple, mais il faut tu le mettre. Geneviève, dans le fond, est-ce qu'il y a quelqu'un qui appuie, qui est d'accord, Michel? Puis est-ce que vous êtes tous d'accord avec ce rapport d'activité-là que les filles ont présenté? Parfait. C'est adapté. À l'humanité.